Ah, bonjour ton tube, tube ASL. Non, pas le prochain problème. Ce qu'on veut, c'est appeler la remorque. Remorque trop loin. Est-ce que je suis le bon camion avec le bon niveau d'attelage? Ah non, oui. Est-ce que t'es sûr? Vas-y. J'ai l'attelage là. Ouais, normalement, c'est ça. Il est un peu galère hein, avec. Appeler la remorque, c'est bon. Ouais. Ouais, elle a 200 points d'ancrage. Bon bah on va là avec la petite la caméra c'est même se mettre un peu bon. Ouais, c'est bordel. Attends, il faut que j'amène ça. Aussi deux forages, allez courage hein. Surtout la fin les deux. En vrai, il va peut-être savoir. Non, le, tu vas voir le petit zigzag dans le bout de forêt là, il est. Ah mais il y a un bout de pont qu'on n'a pas fait. Sinon ça m'aurait ramené. Comment ça, à quel bout de pont on n'a pas fait? Bah au nord-ouest en fait, j'étais en train de me dire, ah mais sinon je pars dans le là où il y a la tour, et il y a, on regarde à côté du brouillard de guerre au nord là. Dans le noir là. On a un petit pont là qui est effondré. Non, tu peux rien faire. Il y a pas de pont ici? Non, pas de pont. Donc t'es en train de me dire que si je vais là-bas, c'est freestyle quoi. Oui. Ouais, c'est freestyle. Faut passer par où t'es arrivé. Là. Et tu mets des feux. Petit pont de bois quoi. Ouais. Petit pont de bois, exactement, tu passes par là. Ok. Et ça tu vois, ce petit passage là dans la boue là à la fin, il est. Il est sexuel. Ouais. Il est sexuel au plaisir. Ouais. Je te dis à toutes, les zoobs. Ouais, ça marche. Les zoobs de tab. Ouais. 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 Et puis, je vais vivre là-bas. Let's go. Let's go, ton tube avec cette petite cellule là. C'est trop mort. Quoi. Ah, c'est le Wave Storm. Ok. C'est le Wave West. Ouais, ça se tire, hein. Ça se roule pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on a pas si vite. Ah, quel plaisir. Pique.
ce qui gêne. Ce qui bloque. Ah, c'est ça. Ça va refuser de bouger. Quoique, d'accord, on va compléter les choses. Est-ce qu'on va pouvoir la passer?
porter de troll. Je peux porter de troll. Un poil, mais c'est un poil. C'est un poil. On va libérer le troll, ça ne bougera pas. Let's go la marche arrière. De nuit évidemment parce que sinon c'est pas aussi fun. On va aller chercher une berge pour éviter la route. Donc voilà, c'est pas fou. On va mettre la remorque pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment pas employé pour aller plus vite, faut vraiment travailler.
s'il y a un blocage, normalement, il ne faut pas trop insister. Éviter de rester définitivement. Ok. Rester stabilisé, rester chaud. Il y a un petit dénivelé. Pourquoi j'avais pensé à la droite, mais peut-être que finalement pas trop. Finalement, juste ce qu'il faut. Ça c'est fait. Je sais pas si je peux rappeler son véhicule. Récupérer. Je ne peux pas le faire puisqu'il n'est pas à moi. Ok. Donc ça c'est mon flit. C'est mon flit. Mon flit qui a pas de frein évidemment. Sur lequel j'ai pas mis de freinage. Il me faudrait une grue pour ramasser les pièces pour le fourrage. Module de châssis. Alors juste une grue, non. Ouais, faut voir ce que je peux mettre avec. Mais je crois pas grand chose si je prends. Parce que ça, je crois que c'est une cellule qui est collée. Il n'y a pas de place pour mettre une grue. Ah, c'est celle-ci. Peu de chargement. Ah, il faut que je la raque en plus. Allez, c'est parti, c'est raqué. J'ai rien gagné depuis en mode de vitesse, en moteur, en suspension. Ouais, c'est le champ sur l'IV. Les roues, on va rester sur du tout-terrain, pas sur du hors-piste. Et j'ai bien envie de prendre le treuil long. Prendre le treuil long, ça va peut-être nous aider un petit peu. Et bon, le reste, on est bon. Hop, quitter le garage. Oh, on va avoir une belle qui va se traîner par terre. Oh, c'est sympa, ça flotte. On peut la couper déjà. Alors, par où qu'on passe. J'avais cette citerne à dégager.
qui est la citerne égarée, je crois. Non, c'est cette citerne égarée là. Ok. Donc il faut que je ramasse cette citerne. Mais que du coup je peux plus attacher avec la remorque que j'ai. Si ? Ah si, normalement ça doit pouvoir se faire. Ouais, idéalement faudrait aller se la chercher. Pouf, pouf. On va dire pouf, pouf par là. Et aller se la chercher ensuite. Ouais, je vais pas aimer ce moment là. Ouais, on va pas aimer ce moment là, c'est parti. Avec un véhicule plus lourd qui ne l'est pas, ça fait ça un peu rigolo. Que je pars là. Je me suis agrandi avec cette grotte pour rien. On va se galérer un peu, je pense, à cause de ne pas avoir voulu changer d'être simple bac. Donc on va se galérer un peu. C'est parti. Ça va nous faire bondir beaucoup plus fort, surtout en suspension sur L2. Prenez le risque de taper le moteur beaucoup plus fort et de détruire votre moteur. C'est votre problème. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est pas. Je ne suis pas venu pour ça. Oh. Ou pas travers ça. Par contre, c'est bien, c'est que les ancres à l'avant traînent pas trop par terre, elles sont vraiment au niveau des bidons d'essence, c'est quand même bien pratique. De s'accrocher un peu partout, enfin de trop s'accrocher un peu partout, parce que évidemment ça ne peut pas s'accrocher un peu partout. Toujours la pierre est venue.
commence à avancer. Ah, ça sent l'engourdement immédiat. Ah, pas tout à fait encore. J'aurais dû prendre des vrais pneus du terrain. Petit regret aussi. Ça. Beaucoup de regrets, quand même. C'est une mission avec beaucoup de regrets. Bon, allez, on arrête tout de suite les. Parce que je me sens en train de crever. On arrête tout de suite les conneries. On passe sur le vrai stuff. Et j'avais réussi à la bouger un peu quand même. C'est pas bien. Alors, pareil, au niveau des missions, j'aimerais passer sur. Machine manquante, c'est ça. Un citerne égaré. C'est celle-ci. Voilà, je voudrais suivre cette quête. C'est celle-là qu'il faut ramener donc au garage. L'autre citerne étant une citerne en gros libre, gratos. Pour le joueur. What? Sérieux, je suis déjà embourbé là? Oh là là. Oh, je sens les enfants qui vont pas nous aider. Poids de la grue qui nous aide pas. Qu'on a, c'est qu'on a un treuil qui porte plus loin. Il est où le marqueur du treuil? Ouais. Ouais. J'aimerais qu'on accroche un de ces trucs là. Ouais. Ça veut pas accrocher de l'autre côté? Non, c'est quoi la blague? Ouais. Si tu veux bien. Il est où le marqueur? Alors, croyez-vous, bonne idée, je dirais, pour l'instant. Pour l'instant, on ne regrette pas. Wow. Oh l'enfer. Ok. Est-ce que tu peux essayer de remettre un peu de niveau sur voilà, ce de terre un peu ferme? Ouais, ça marche. Est-ce que de là, est-ce qu'il peut se passer des miracles? Est-ce que ce treuil long est formidable? Est-ce que ce treuil long n'est pas la meilleure invention? Bon, si, bien sûr, bien évidemment. Est-ce que je peux? Tiens. Oh, il y a toi, la citerne. Ça avance, hein. Ça avance pas vite. Ça avance. Est-ce que il est possible? Oh, c'est possible. Est-ce que maintenant on va réussir à avancer? On avance comme si c'était une évidence. Je ne peux pas dire plus. On avance, on avance. C'était sûr en fait. Ouais, ça va être
problématique. Accrocher Troy. Ouais. Ah oui, carrément. Let's go. On voit tout ce que ça. On va bien. On va pas aller beaucoup plus dans cette montre, je pense. Si gentiment garder le rythme déjà, ce sera déjà bien. Ah, ça pourrait passer une vitesse là. Bien. Donc le plus court pour aller à la station service, ça serait de faire ça serait de passer à gauche. Ouais. Je sais pas. Ah quoi que si, si on va jusque là, je crois que c'est plutôt clean. Et de là, bah jusqu'à la station quoi. Jusque là, que de là. Jusqu'à de là-bas quoi. Ouais, pas déconnant. Normalement ça passe, il n'y a pas de gros pièges. Pas de cailloux, de grosses bourbes, là il y en a une normalement, enfin je veux dire on a croisé pire à l'instant. Normalement ça grimpe. Il y a de la côte tout ça. Il n'y a pas de gros pièges obscurs je dirais. Tu commences à patauger dans ta boue, puis subitement un gros caillou vous arrête. Voilà, le monde c'est cool. Pas besoin de se mettre en marche forcée. C'est appréciable. Très appréciable. Je pensais pour éviter de creuser la piste. Vraiment, c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on est en train de ralentir tout ça, c'est vraiment pour éviter de creuser la piste. De laisser des sillons monstrueux aux camarades derrière. Voir un modèle derrière. Ah. Oh là, des régularités de la route, hein. Comme ça, on monte tranquillement, sans forcer, sans faire des grands trous. On passe en normal. Petite boue là, petite grosse boue quand même. Grosse boue, on s'enfonce de beaucoup. Ouais, on s'enfonce de beaucoup quand même. On va voir si la remorque se ralentit énormément dedans. Bah, même pas. Elle suit plutôt bien. On est content. Et puis alors là c'est la délivrance. Là c'est le bonheur. Voilà, excusez-moi, ils vont tous réveiller.
Ah, c'est tellement le bonheur. Je pense qu'on va reprendre le chemin en sens inverse pour aller chercher les différents loots. On va quand même privilégier la route. Ici, on passe au dépôt de trous. Et là, c'est l'obscurantisme le plus complet. Il a l'air d'y avoir une route ici. Et on va essayer de. Donc, après, je pense qu'il faut redescendre. Il faut monter par là. Genre, ça va être par ici à peu près pour aller là. On fait demi-tour ici. Ici on va là. Et donc là faut livrer à l'usine et je pense qu'on fait un tout droit usine. De toute façon on pourra pas récupérer le reste. Hein, donc voilà. Faisons un truc un peu propre. Avec plusieurs points de passage. Merde, je l'ai effacé, flûte, je voulais dire. Voilà.
arrive à peu près en même temps que la musique se termine. Pas mal. Ça, ça va être une chance. Parce qu'il y avait aussi l'instabilité du terrain à prévoir. Heureusement, elle est prévue. Ne pas bouger. Des camions. Activer les ancres. Elles ne servent à rien. Initialiser la grue. Comment on bascule en grue? Je sais même plus. Ah, il faut peut-être que j'ai le moteur allumé. Ouais, c'est ça. Et la mode grue, évidemment, puisque c'est là. Quoi? Oh. Hey, vire-moi ça! What's up? Ça me met dedans. Ici, je vais voir tout de suite. Ah ouais, rien que le poids de la grue lui-même le fait basculer très très fortement. Ouais, grosse boue. Hein. Très très grosse boue. Oh, ça m'a enfoncé dans le sol direct. Allez, fais-moi avancer. Sors-moi de là. J'ai du stab quelque part là. Ça s'installe pas vraiment. Je suis pas sûr. Comme ça, on va activer les ancres en espérant que ça fera un peu de différence. Oui, elles ont l'air de s'être plantées dans le sol. Notre grue. Waouh. Fixer. Tirer. C'est ok. Rotation de cargaison, c'est bon. Détache. Et. Non. Ce que je voudrais, c'est. C'est pas ça. B, sors-moi de ça. Ah oui, c'est empli des cargaisons. S'empiler les cargaisons, c'est ça. Et réinitialiser les grues. Et ça a rentré les ancres aussi. Et ça a visiblement rentré les ancres également. Ça pèse bien lourd quand même. Et ça a l'air d'aller encore. Il souille un peu, mais ça va. En vrai, ça va. Il tient bien. Il tient bien le coup. Marge de manœuvre, on va pas être dingue. Active les ancres. Ok.
la grue. Ouais, c'est ça en fait, le déploiement de la grue est sauvage. Hein. Hop là. Pour avancer la grue. Ouais, c'est ça, c'est avancer la grue. Fixé. Donc là, il y a deux touches. Il y a tirer tout court. Voilà. Pas ça. Et lever la grue, c'est comme ça. Rotation de la cargaison. Faudrait que je l'amène par le petit sapin. Parce que c'est le côté qui penche le moins. Je prends moins le risque de se retourner. Elle n'est pas trop mal. Alors est-ce qu'elle se touche? Non, elle se superpose, excellent. Ok. On va stabiliser. Je fais ça bien, on peut faire ça comme un gros sac. Hein. Là, je peux lâcher ma caisse, merci, au revoir. Elle tombe à peu près dans le bac, j'ai plus qu'à la faire empiler. Je voudrais descendre. Voilà, descendre. Dépiler, empiler, c'est pas toujours très bien fait. Ça a été réinitialisé, donc c'est bon. Donc on est bon. Et on a l'air de pouvoir sortir par devant. Vire-moi ce point-là. On a l'air de pouvoir utiliser voilà, le petit chemin qui est là. On va pas forcer. Enfin, on va aller en marche forcée, justement. S'enfoncer, etc. Parce que on a un peu de poids. Ou si on. Bon, ça va se faire. Un peu. On revient sur le chemin. On passe le caillou. Faut passer ce caillou. Le caillou était courtois. Direction usine, tout simplement. Bon, on laisse quand même des sillons qui sont beaucoup plus marqués. Hein. On a rien. On laisse des traces. Fait le boulot. Et décidément, ce petit canon ne déçoit pas. Il envoie. Il envoie, il envoie. Ça sent le piège, ça sent la destruction de moteur, ça sent les embrouilles, ça sent le rebond, le rebond mortel. On va se commencer ici. On passe large, je prends du bitume. On avait que des caillasses mortelles. Hein. Caillasses mortelles. Un film anti-conducteur. Bon, je passe comme un bon tard sur les grosses caillasses. Heureusement que je suis surélevé là. Là, si vous n'êtes pas surélevé, vous ne pouvez pas faire le malin comme je suis en train de le faire. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est un coup en prison, mordre les doigts. Alors, restez sur votre caillou. Le sol n'est pas meuble, donc il enfoncerait même pas le caillou. Il resterait bien posé dessus.
Mais on roule, hein. On roule bien. Alors pour les deux autres, je me verrai bien effectivement de partir. Alors, je me refais vraiment un tracé de touriste. Hein. Je ne prends aucun risque à aucun moment donné. C'est vraiment un niveau de tourisme effrayant. Et à partir de là, on va se mettre un petit point là. Et on va tag celui-là. Celui-ci qui m'a l'air quand même bien galère à atteindre. Mais let's go, celui-là aussi. Ouais, pour l'instant, la carte a l'air de trahir très fortement, mais ça se trouve que c'est complètement faisable. Donc, sachant que là on va moins loin. On fait un peu de route et on va récupérer nos objectifs. Et qu'on pourrait tout à fait, après ça, se téléporter à la maison, même si idéalement il faudrait éviter. Ce que j'aimerais bien faire dans cette déversement pour les toxiques de l'autre base. Faire deux trous dans la voie. Vous voyez que j'ai quand même ralenti en l'enlevant et tout, et ça creuse, ça patine. C'est pas une bonne idée, parce qu'on ne peut pas trop détériorer la voie de préférence, enfin, le moins possible. Au dernier retour, on pourra détériorer la voie si on veut. Encore. Et on ne sait jamais quelle mission on ramènera ici. Sur les caillasses, si on peut les broyer un peu. Ah non, bon, bah c'est posé comme ça. Déjà, marche forcée. Pas de discussion. Je pense qu'en vrai, là, le plus simple, ça serait de reculer pour la faire tomber. Mais, moi, j'ai envie de dire. Challenge accepté, quoi. On est un peu là pour ça, non? On est surtout suffisamment. Assister. Ah, par contre, ouais, le déploiement de leur grue, c'est du suicide, hein. Faut qu'ils arrêtent ça. Faut qu'ils nous réparent ça, surtout. Donc.
c'est pas ça tout. Si elle a tiré vers moi, PC c'est plus. C'est pas ça que tirer PC, moi je veux employer la crue sur lui. C'est pas. Ouais, je sais déjà plus. Avec quelqu'un. Oh, j'avance. Ah oui, oui, oui. Comme ça. Ah oui, sauf que je suis au maximum. Effectivement. Je suis au maximum. Je suis au maximum, j'ai juste à la baisser. Ça, ouais. Ouais, ouais, parce que je suis en train de perdre. Je garde ça comme ça. Parce que la caisse pèse moins et surtout je vais éviter que le bras me fasse une crise. Contre les mecs, les pièces de forage, vous les recevez par largage d'avion en état d'ébriété ou ça se passe comment? Parce que je sais que les pilotes américains c'est peut-être pas la formation des pilotes français, mais enfin normalement ça va quoi. Au niveau d'exigence, on est quand même très bien quoi. Parfait. Jeu facile. Ah oui, excusez-moi. Un peu de satisfaction visiblement. L'excitation dans la satisfaction. J'ai envie de reprendre la même route pour faire demi-tour. J'ai envie de faire le con et d'aller chercher cette tour tout de suite. On va pas faire ça. J'en meurs d'envie. Je me dis que c'est complètement possible, mais je vais pas le faire. Je vais ramener. Sécuriser la cargaison. Enfin, le plus sécurisément possible. Allez. On prend la grande route. Mais même si avec la route, avec la caïa, je ne sais pas si c'est mieux que peut-être une route de montagne. Et finalement, c'est quand même un sacré piège. Là. Un sacré problème. Ah. Sur la route. Bonjour, j'avais. Bah, j'ai réussi à casser un caillou. Dangereux, hein. Regardez les cailloux, j'avais oublié de remettre. Mettre les roues intégrales. Position intégrale. C'est comme ça que je vais.
se planter dans un arbre dans un virage, on se met là. On se retourne parce qu'on est plus tôt, ça a pas l'air d'être le risque. Ça a été pris ça ici. Distraction locale. Ah bah oui, bah, du coup on part sur ça d'ailleurs. On part sur ça. C'est le baril alpha. Alors, je sais pas si on est obligé de les faire dans l'ordre. Et je sais pas par où ça va raccorder derrière, donc j'ai bien envie de taper par le haut. D'abord aller récupérer le haut. De nuit évidemment, sinon c'est pas si le haut. Ce serait facile pour nous. On va faire ça. On va aller en mode tryhard, évidemment. C'est pas le coin, c'est un coin à scout, et puis on y va avec un camion, une grue, sûr, cohérence sur 20. Et niveau carburant, on était large, hein, donc c'était quand même deux fois moins long. Je l'en ai dit. Ce qui fait que là, on a consommé un peu. On passe comme si on était un véhicule tout le temps. Parce que pour l'instant c'est assez large. Par contre on passe sur des couloirs de pierre, ça devrait bien se passer. Éviter les petits véhicules des travers, de toute façon même avec les véhicules scouts, il faut les éviter. Hop. Et éviter de se coincer avec les angles. Laisser le temps à son véhicule de se stabiliser parce qu'on est plus long. Va mourir. Alors, Dimon a trouvé une remorque. Pas d'amélio caché, rien. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, bizarre, hein, c'est bizarre. Alors, j'ai du tonnage juste derrière moi. Que... Allons chercher ce baril. Non, mais fous-moi la paix avec ta 4000. Ce baril là. Ah oui, oh putain. Je me suis carrément retourné. Ça, problème réglé. Oui, il faut un vrai véhicule scout. Bon bah, problème réglé. Non, qu'est-ce que je fais? Toi, hop. On te récupère. On peut te laisser comme ça, ceci dit. On peut te récupérer toi. Bon, la customisation, je crois qu'il n'y a toujours rien de nouveau. Ah si. Consommation, on va se mettre à consommer plus. Par contre, le rapport poids est tout de suite bien meilleur. Clairement, il n'y a pas de discussion. La consommation explose encore. Mais la durabilité est meilleure. Ce qui est... C'est étonnant.
On peut le surélever. Ok. Ah ouais, on a eu... masse nouvelle chose. Hein. Là, on va se retrouver à faire du hors-piste, hein, j'ai l'impression. Donc, est-ce que je devrais pas partir sur... Ouais, non, on va rester comme ça. J'ai pas été déçu jusqu'ici par ces pneus. Le autonome. Oh oui. Oh oui. Oh oui, tellement oui. Débloqué, changeable et capable, ok. Le snorkel, vas-y, hein. Même s'il n'y a pas de grande utilité. Et on est déjà bien chargé comme il faut. Eh ben, on a bien fait de faire un petit tour dessus. Normalement, là, c'est le moment où on se fait un itinéraire. Fasse-moi le point. C'est le moment de se faire un petit itinéraire. Le roi de la colline, ça a l'air d'être, ça a l'air d'être une quête de type course à la montre. Hein. Je connais la chanson, ça. Ça m'intéresse pas. Ouais, moi, je nous vois bien passer par, non, par ici, connard. Merci. Bien sûr, le petit crochet chez Martine, évidemment. Tac. Là, nous, on a un véhicule scout, hein, on pourrait couper comme un gros tas. Comme un gros tas. On va pas couper beaucoup plus que ça. Je pense pas. Et je pense qu'on va repartir par là. Puis là. Et puis après, ce sera let's go, quoi. Après, ce sera let's go. Ce sera let's go, toi. C'est parti. Et à la fin de tout ça, si on a bien réussi, on pourra récupérer donc la remorque scout. Il a l'air d'être plus galère qu'avant. Théoriquement, tout est censé être mieux, à part la consommation. C'est spécial. Après, le surélevé, c'est peut-être pas la meilleure des idées, en vrai. Mais on va en avoir besoin pour là où on va, c'est certain. C'est certain, là où on va, on a besoin de le surélever, puisqu'il va falloir faire du parcours dans la roche. Là, parce que sinon, si j'en suis là, c'est en train de galérer de fou. C'est devenu un peu pas droit sur moi.
qu'on va pas payer la différence en un autre. C'est une autre question. On va pas tarder à trouver sa réponse. Pour l'instant, je ne comprends pas. Par minute, enfin 8 virgule, étant donné qu'on est qu'à 80 litres, effectivement on se dit qu'on a 10 minutes de conso, quoi. On a 10 minutes de route, après c'est terminé. Hein. C'est vrai qu'on a un petit réservoir en charge, mais ça va être compliqué. Allez, c'est parti. C'est celui-là, donc il est juste au-dessus. On n'avance pas vite, mais par contre, on casse un peu notre consommation. On casse net notre consommation. Mais par contre, on n'avance plus rien du tout. Un moindre caillou, c'est fini, t'avances plus. Donc là, il faut aller faire du parcours dans la roche. Parce que là, c'est que du rebond, du rebond, du rebond. Ce sont 4 roues pour monter. Maintenant, on est monté. Je vais essayer de tourner qu'en 2. Qu'est-ce que c'est que ce... On casse la gueule, c'est ça? Super. On se joue. Ok, bon, ça va. Premièrement, faire le plein. Voilà. Deuxièmement, marche arrière.
Si. Réparer. Ok, faire. Un moteur. Tu vas réparer un moteur ? Oui, d'accord. Il faut de la réparation spécifique. Pourquoi mon véhicule ne démarre pas ? Parce que je suis en. Donc il faut renverser les barils, d'accord. Il faut que je renverse tous les barils, donc il faut taper dedans comme un vieux crétin. Alors je vais essayer de treuiller avant, voir si je peux le renverser dans cela. Sinon à première vue les deux ils se renversent tranquillement, mais le dernier faut taper dedans. Barry. D'accord, c'est considéré comme étant fait. Super. Voilà, c'est la zone de part en part, mais voilà, une fois que c'est fait, ça va être douloureux. Et là, il n'y a aucun point de treuillage. Ça c'est quand même le truc qui est magnifique, c'est qu'il y a des rochers partout, mais il n'y a pas de quoi caler un crochet d'une part. C'est vraiment... C'est de la roche bien bien lisse, hein, bien bien dure que tu peux pas poser à l'ombre, quoi, avec un couteau ou n'importe quoi. Hein. Ça c'est... Les fonctions ont l'air d'être bloquées. Ouais, c'est bon. Tourner à l'avant ou à l'arrière, c'est formidable en fait. Je peux même pas machiner un truc pour bouger. De toute façon, il y a plus de moteur dedans. Ok, d'accord. Ok, bon, bah, on va dire que c'était ça. Bon, bah, je vais récupérer tout ça. Je vais récupérer ce véhicule. J'ai fait un point. Putain, ça va faire un point renversement, je sens le fun arriver. Vous sentez cette montée de fun? Bah moi non plus, voilà. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter avant de commencer à se lancer du sel dans la bouche, en masse. Oh, j'ai tout en bien ficoté, voilà. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming, et puis je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao.